Comme annoncé par les autorités depuis 3 jours, l'espace culturel Fougou-Fougou a été détruit ce matin par les bulldozers. Ce centre de loisirs, autrefois prestigieux pour de nombreux visiteurs, reste désormais un lointain souvenir pour ses employés. C'est avec des lieux pareils qu'on se divertit, qu'on oublie, qu'on se met à l'aise. Mais si ça se trouve qu'il y a le gouvernement guinéen ou bien autre chose qui veut récupérer le coin et donner à un individu. Nous les artistes en herbe, c'est ici que nous avons évolué. Moi personnellement, c'est grâce à Fougou-Fougou que j'ai osé le micro. C'est ici que je gagnais ma vie et on a détruit Fougou-Fougou. On ne sait plus quoi faire ni où aller. Depuis l'annonce de cette nouvelle, plusieurs démarches ont été menées auprès des autorités, mais aucune issue favorable pour empêcher la destruction de cet espace. Le coordinateur général du centre exprime sa déception. Nous sommes déçus. Nos demandes n'ont pas été acceptées par l'autorité. On a mené plusieurs démarches depuis l'été a décidé de récupérer les lieux et ils l'ont fait. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Selon les responsables, ce lieu de loisirs employait plusieurs jeunes diplômés. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent désormais tous au chômage. À l'image de Fougou-Fougou, plusieurs domaines de l'État sont en cours de récupération par les nouvelles autorités.